whanui to te nua e nāna. Tēnā koutou tō mangarewa. Arona tō tuapā. Yaurana tō raromatai. Yaurana tō taiti. Kia orana tō te kāinga. E peutaku, e henua tōku, e reo tōku, te reo ia o te atua. Tōku henua. Kaore ko e ngaro ki aku. Kua riro. Koe noku e tapo o no te here o tōku hanga tupuna. Tōku henua, kaore koe e ngaro ki aku. Kua riro koe noku e tapo o no runga mai nā te atua. I te rangi teitei, kua paupuruhia mai koe nā tōku hanga tupuna. Kua hangahia mai koe nā te atua ora. Kua paupuruhia mai koe nā tōku hanga tupuna. Kua aupuruhia mai koe, nā te atua ora, nā te atua ora. En se penchant vers un lointain passé, l'on voit surgir de la brume dorée de nos îles la figure prestigieuse de Taaronui Taitumu, au-delà de laquelle il est difficile de remonter. On peut donc le considérer comme le fondateur, au Taitumu Mauia, de toutes les familles princières. Voici sa généalogie et l'histoire de ses descendants. Taaronui Taitumu, de son union avec Tuihiti, eut un fils, Tianwanua et Tuiwaiari. Tianwanua et Tuiwaiari eut de Onuei Maua deux enfants, Tetua Matatini Iterei Vetea Otaaroa Iwaiarai, épouse de Filiamata Ovovo, roi de Porpora, et Marautaroa Iterei Maruarua Iwaiarai. Il y a 40 ans de ça, j'étais une des graines à rénover et restaurer cette culture qui a été bannie, cachée, interdite. Pendant 10 ans, j'ai dansé avec le groupe de Maeva où on a gagné 10 ans consécutifs le Heiva. C'était dans le groupe de Temaewa de Koko Hota Hota. Et on a dansé pas mal d'années qu'on a gagné. Je ne vais pas citer parce que ce groupe-là, il est connu dans la danse. Alors, on ne va pas commencer à dire quelle année, tout le monde connaît. J'étais un des premiers avec Taverio à faire les marches sur le feu, les marches. J'avais Oscar Temoru dans ma main gauche et Jean Monpeza dans ma main droite et 9000 autres personnes qui suivaient la marche à l'inauguration de la mairie de Faa. Et la seule personne qui n'a pas marché sur mon feu ce jour-là, c'est Gaston Floss. C'est le seul qui a refusé de marcher. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, il était le président. Je suis un des premiers, en 1969-70, à restaurer le tatouage. Mais, comme dit mon cousin Maku, bâton d'allumettes, les aiguilles à grand-mère, et on s'y mettait.
Voilà comment on a commencé le tatouage à cette époque-là. Tout c'est un petit tiki, un bad boy. Un tiki qui représente bad boy. Voilà mon premier tatouage à 9 ans. Ah, c'était très fort, hein. C'est comme si on me poussait à que je sois quelqu'un pour éveiller cette conscience. Pourquoi je suis là? Parce qu'il y a une cérémonie de tatou. Stéphana a tous tes tatou. C'est pour cette cérémonie. Et comme c'est mon petit-fils et mon copain qui sont les artistes principaux de cette cérémonie, alors je participe avec. Parce que dans la vie, il y a deux choses. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Le bien et le mal. Mais on ne peut pas être entre les deux. Ça ne se fait pas. Soit tu es avec le mal pour toute ta vie, soit tu es avec le bien avec nous. C'est nous alors le bien. La vérité. Rien d'autre. C'est dur, hein. Molière nous a vraiment empoisonné la situation. Hein. En 1767. Wallis est arrivé ici, et bon, évidemment, avant d'arriver, il a fait quand même le tour de l'île, tu vois. Donc il est descendu avec les pirogues, et se sont battus ici, dans la baie de Matavai. C'est passé ici, c'était les premiers combats entre les Blancs et les Polynésiens. Tu vois, il nous a négligé à qu'on oublie le rituel. Le rituel, c'est le sacré. Le sacré, il nous a interdit de remettre encore ce rituel en valeur. Alors que c'est sacré. C'est un peuple qui a une langue, qui a sa terre, qui a tous les 5 millions de kilomètres carrés qui fait de lui. De tous les rois et les reines. C'est vrai qu'on n'a pas fait depuis 175 ans après la spoliation des droits naturels et coutumiers du peuple royal maori. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses. Tapu Boné, ça a été un danseur, ça a été un grand sportif dans n'importe quel sport aussi, donc comme le volleyball, le handball et autres sports, comme la rame aussi. On connaît que c'était un des grands rameurs aussi à son époque.
Je pense que c'est quelqu'un qui regarde la vie des Polynésiens d'aujourd'hui. Et il voit qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Comme quoi, c'est pour la nouvelle génération au niveau du travail. Alors je pense qu'il se met en avant dans ce domaine-là, par rapport à la politique d'aujourd'hui. Quand je dis politique, on ne va pas dire ils sont bien, ils ne sont pas bien, mais c'est ce que lui il voit, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Que la population doit se réveiller dans ce que lui il voit, mais sans qu'il commande la population. Makau faster tanah huia taru mai wa no tiunu tau tini bahan nere ono e pa haru maono i o te pa hao te tawa ia tune iau ia o te mana o te ari kari mai lalan lui e ari ino reiro tanah huia ma teiti tau tini bahan nere pa haru matoru e te pa no tiurei. Te tawa ia tune ia oe, te mana o te ari, e ari ino reiroa, a whari mai. Cette cérémonie-là, c'était pour marquer l'histoire des descendants de chaque île, des cinq archipels. Donc, il veut dire qu'il y avait les Australes, il y avait Tahiti, il y avait Marquise, il y avait Rarotonga, hein, ici sous le vent, et il y avait ceux de Tuamotu. Moana nui,
les intronisations, c'est important pour l'histoire de ce pays, enfin de toutes les îles quoi, l'histoire royale, que on a toujours les descendants et ceux qui sont là, ils tiennent toujours le titre royal. C'est pour ça qu'on fait les cérémonies. C'est pas une publicité. C'est pour qu'on reconnaisse qu'on vient des vraies souches par-dessus les généalogies. Parce qu'on ne peut pas dire que tu es roi si tu n'as pas ta généalogie qui va directement sur les ancêtres, qui vient de cette souche-là. Ah. D'abord, qui au na taku henua tutu aku tamata pairo fane fane aku aro tangi tangi te matangi e tore te manu karere i te vai o toromona vai meho ke taua ko tu toku te iokerekere ti tiveru roat mo kohi kueru tika mai ra te reki tumuki wa i te vai tōngare ngare i roto vai i roto ariki. Tahua te ie, tupapati nei rā, noho hanga ia o te wahine, ta pairu. Shui ne o tō mutu, shui ne ahi kueru. Né à Hikuero et j'ai grandi à Rekareka. J'aime bien les tomtou. Il n'y a pas meilleur endroit dans l'univers que les tomtou. Non seulement par sa beauté, par sa richesse, le mana. Aloha. Madame, messieurs, merci d'être présents à cette petite réunion. Et nous allons commencer notre réunion avec une prière. Et c'est notre frère Cavera qui va commencer à ouvrir notre réunion. Tiatoa, tu m'as tombé tout à l'heure maintenant. Tiara. Et il n'y a pas de mal à faire.
Hors du jour. Nomination des membres composant le comité des administrateurs des cinq archipels de Tahiti et ses dépendances. Entre nous, sous-signé a été convenu ce qui suit. Le 3 juin 2017, la mise en place d'une administrative royale pour les membres administrateurs des cinq archipels de Tahiti et ses dépendances, constitution morale, officielle et effectuée par le droit du sang et du sol. Journal officiel. Voilà. Et voilà, il y a tous les lotos. Il y en a 139 en tout. 139 articles tout et tous ces articles-là, c'est les 45 amendements de la Nations Unies qui protègent le peuple autochtone. Tout est là-dedans. Il faut Là, on a fait une petite réunion pour voter les composants du comité judiciaire pour compléter les trois cellules qui est demandé par le statut de notre souveraineté. Nous sommes là à ce que la loi, le droit coutumier, soit respecté et appliqué dans les normes juridiques. Et nous ne contestons pas la loi française dans la matière, parce que la loi française, elle est fondée en droit naturel, inviolable et sacré, dans laquelle notre propriété en fait partie de ces droits d'inviolabilité et sacré. Donc le problème que les décisions des juges n'ont pas respecté cette dignité de la propriété inviolable et sacrée concernant le peuple coutumier mahorais. La réunion, elle a été fabuleuse, super même, plus que super, parce que tout le monde était là. Tous les éléments qu'on a demandé à venir, ils étaient tous présents. Et ça m'a réjoui le cœur. C'est pas la loi qui nous dépossède de nos droits. C'est pas la loi française qui nous a dépossédés, c'est la décision contradictoire des juges. On a le bureau législatif, le bureau exécutif, il nous manque le bureau judiciaire. Où il y aura tous les juges dedans, juges de paix, juges de foraine, juges de première instance, procureurs et... Et je me demande en tant qu'être humain, pourquoi une telle loi sacrée n'a pas été respectée par les juges qui ont prêté serment. Pourquoi? Vous voyez, toutes les autorités judiciaires françaises ont prêté serment de respecter la dignité et le droit. Et ils n'ont pas fait. Ce qui fait la cause de nos problèmes, la dépossession de nos droits, finances, le salaire, le travail, on nous a tout dépossédé. Aujourd'hui, on crie à titre local, national et international. On a crié jusque-là. On ne peut plus se taire. Comme les aborigènes, tu as vu, comme les aborigènes, ils ont gagné devant les États-Unis, le droit de la propriété, le droit du sol. Nous aussi. On a le droit du sol et le droit de finance. Le trésor public ici nous appartient, appartient pas à l'État. On a annoncé, c'est le haut commissaire auparavant, en 1997, l'argent au trésor public n'appartient pas à l'État, appartient au peuple coutumier maori. Donc c'est à nous de posséder toutes ces valeurs. Et aujourd'hui, on l'a pas. On est dépouillé. C'est d'ici 15 jours, pour l'officialisation de ce qu'on s'est dit aujourd'hui, les nominations des membres composants de cette cellule judiciaire et préparer d'autres événements dans le futur. Il y a des textes, c'est la loi du 24 mars 1952, article 712 du Code civil. Le pouvoir du gouvernement est sous l'autorité de l'État. C'est l'État qui doit agir. On ne veut plus de décisions contradictoires. On veut l'application de l'article 12 du Code de procédure civile français, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui sont applicables. Le premier tribunal qui a pris des décisions, ce sont des décisions contradictoires, contraires à la Constitution de la République française, vous savez, ça c'est très grave. Contraire à la loi. Là, ici en bas, les plus grands voleurs du foncier, c'est ceux-là.
Je les connais tous par nom. De leur nom, dans les livres, il n'y en a pas comme cela. Il y a eu un rattrapage d'intronisation de ceux qui n'étaient pas présents la semaine dernière. On est à tout à fait. Prohiati montaïna papao. Omu pa uratone oi daruru. Yone na way, etiere yone. Nate fenui. Fenui. Emianouye terrebaru. Parce que l'eau de mer, l'eau, en général l'eau, c'est la vie. Ces cailloux-là, ça symbolise le passé, le présent et le futur. Choisi pour être le président général de cette organisation. Après de chaque qu'il a pris, il y a des descendants royaux. Avant de remonter pour avoir un roi officiel qui s'appelle le Hari Inu. Comme Tapu Boné qu'on a fait dans la fondation, qu'on a décidé, c'était lui le Hari Inu de tous les 5 archipels. J'ai réuni les familles royales des 5 archipels pour constituer cette cour royale. Pas encore un Ferrari, mais
ça va se faire faire tout après, une fois bien constituée cette cour royale, qui seront les représentants de chaque famille princière, de chaque archipel, des cinq archipels. Oui, on s'est concerté ensemble avec le comité des sages, le comité du Sénat coutumier, le comité judiciaire, le comité administratif et le comité exécutif. Car le comité exécutif ne sait pas qui sont les membres du comité suprême. Et le comité suprême ne connaissent pas les membres du comité judiciaire. Et le comité du comité, les membres du comité judiciaire ne connaissent pas les membres administratifs. Vaut mieux travailler dans l'anonymat pour l'instant, parce que si toutefois l'État français saurait qu'il y a une organisation qui est en train de se faire mettre à la lumière, sûrement ils vont mettre les bâtons dans les roues. L'église, faut pas oublier l'église, c'est un des plus grands malfaiteurs de cette époque jusqu'à notre époque aujourd'hui. L'église, je vais pas dire laquelle, mais il y en avait deux à cette époque là c'est les plus grands gourmands. Ce sont des déesses. Etra fenu mo utara hoy ye idi mo ya ti faro faro te faro idi mo ro ko te faro
Tiri haran war ai ha ore rohi atri na thoi yar. Et ata i patu te mare o tua atua e pa mu tu te no te fino faite. Papa mai me. Dans nous, il y a toujours un grand prêtre. Hein. Après, ça, il y a le sous-chef. Il y a le chef, il y a le sous-chef. Après, les guerriers. Ces deux-là sont partis, sont morts. Et j'ai pris la relève. C'était le grand prêtre qui m'a donné tout ce don que j'ai aujourd'hui. Et pour pouvoir faire ce truc-là, ils m'ont tout donné. Comment parler Ti ratter me nat moana ono ono. Totra mara. Totra fenua. O tau te mo wari. Totra fenua. Ya tu ano te ao ma hoi. Ya tu at oa. No te wi amuri. No te mea. Tono te yo mhana. Piti aur ma hoi. Tēnu atu te piti o te hiero. Mai vai mana wā atu ia o i tēnei arui. Tēnu atu te mau au tī. E whauna una nei te hiero. Te atua i nia. Te atua i daro. Te atua i ta. Te atua i tei. Te atua niai te papai. Te atua i raro te papai. Te atua niai te tei. Te atua i raro te tei. Te atua niai te whenua. Te atua i raro te whenua. Te atua te aroa. O te rau, te rei e te whenua. E tēnu atu te hipa hōpaya o ta o i rau. Mautirā. Matau nei te tātanei. Mai vai mana vāt o i a oe. Tēnei aru ihanhana. I atua o te mahana. I atua o te au e. I atua o te whetia. Yetuo to matai. Yetuo te iwa. Yetuo te pateri. Tēnu atu te atuo te ti. Te whātirei tata to hiero. Te arivei nei o te uhai. Mai vai manawa atu o ia oe tēnei aru ihanana. Mai vai mana vaat o ia o tēnei aru i hanana. Mahalo nui. My king kamehameha. Kim kamehameha do Greek. I love you. O oe, te whatu o tamato o hipa. E rawai nei. Parce que nous on a la date de naissance. La date et le mois. C'est à ce moment-là, en fait. C'est comme ce soir. Ce soir, c'est. C'est. Comment on appelle ça, tu vois? Haudaitamai. Il y avait une guerre qui s'est passée à Hawaï. Et c'est aujourd'hui, c'est la date du 21. On a repoussé aujourd'hui. Parce qu'il faut que ça tombe un mardi ou un jeudi. Quand ça tombe un samedi, nous, on repousse toujours vers le 24. C'est-à-dire aujourd'hui, ce soir, mardi. Ha maruru toa.
na tolu eito i veho mai matou no te hare ai te hare aro wai te au wai te unei o outou e taru i peho i matou i tēnei teme. E te rahunui e uata i te hora. Te wha o tinei tā mātou o hipa. Te rahunui e tai meri i hope a te ie. Te pii mai nei tō mau tamari i ia oe, e te whatue, atu e oe i tō mau tamari i. Tamari i e hahe, nā tō vārua mana hopera rata i ia mātou, e te whatue, arofa mai, tia i mai ia mātou. Te rā ia, tō mātou atua. Parahai, parahai anā. E wharere ia tātou i tīmo mahana i muri nei. Maruru, maruru, e marururo. Parahai ana, maruru e marururo. Voilà la vérité quand il faut faire quelque chose sur un marais. Ce qu'on fait ici en ce moment-là, ils font n'importe quoi. À ça, je peux vous le dire, ils font n'importe quoi. Parce qu'il y a des dates à respecter. Voilà. Et il faut savoir le parler pour pouvoir rentrer dans un marais. Arriver là-bas et parler avec les ancêtres. Il y a des choses à dire pour communiquer avec. Et ça, il n'y a pas ici chez nous, il n'y a que nous qui font. Voilà. C'est très magique. Le Maori, il a trois rituels sacrés. La marche sur le feu, le tatau et la boisson du kava. Le kava, on prend le cas du kava. Le kava, tout le monde l'utilise aujourd'hui pour boire, pour être sous un effet. Alors que le kava, la boisson du kava, c'est pour le rituel du tatau à cette époque-là. C'est pour ça, nos ancêtres, ils avaient le corps tatoué. Le kava, c'est un produit anesthésion. Et nos ancêtres, ils prenaient le kava. C'est pour le rituel du tatau. Tout y allait ensemble. Il n'y a rien d'autre, c'est un produit anesthésion. Ça anesthésie le corps. Alors, où est l'effet satanique là-dedans? Ils font là, c'est mon historique à moi, qui me relie à tout de, hein? Voilà, c'est mon historique. Donc, au travers de ça, je peux donc demander la reconstruction du marais. Il faut faire une réunion ou il faut faire encore un PV. Ok. J'aime bien me promener, la balade, j'aime bien me balader dans ma vie. L'Amérique, c'est très strict. Tu ne peux pas
Tu ne peux pas faire ce que tu as envie de faire, Tu ne peux pas. On prend un cas, par exemple, jeter un bâton d'allumette, par exemple. Tu te fais choper, tu as 25 000 francs d'amende. Tu es mal garé, tu as 250 000 à payer pour sortir la voiture. Il y a des règles là-bas qu'il ne faut pas enfreindre. Et en Amérique, si tu es témoin d'une petite bagarre et tu n'appelles pas 911, c'est toi qui vas être embarqué. Avant, je croyais que l'Amérique, c'est ceci, c'est cela, c'est un rêve. Non, c'est pas bon l'Amérique pour aller rêver à cause de leur loi. C'est très strict. À Tahiti, avec la loi de la République française, c'est gentil. C'est du gâteau à côté de la loi américaine. Quand je dis du gâteau, c'est vraiment du gâteau. Hein. C'est même du chou à la crème. Chez nous, ici, en Polynésie, j'aimerais que tout soit justifié aujourd'hui, qu'on ramène nos droits, qui est inhérent, inaliénable, imprescriptible, inviolable et sacré. Tapu, ses ancêtres ont prescrit des droits de propriété aujourd'hui, que M. Tapu ne perçoit pas. Où sont ? Où sont ? Je vous demande. Où sont ? Si je vous laissais des millions là, demain tu vas aller chercher les millions. Mais M. Tapu, ses ancêtres ont des milliards, c'est pas des millions. Des milliards et des millions, Tapu ne perçoit pas. Comment ça ? L'État à tout prix ? Non. L'État à tout prix, ce qui lui devient de droit, parce que c'est lui qui occupe le peuple maroc. Il est la tutelle de sécuriser le peuple maroc. Sous sa tutelle, il prend de l'argent à la limite des droits, mais le reste, oui, c'est au trésor public, IOM. Caisse de dépôt de consignation. On en parle rarement. Caisse de dépôt de consignation. L'article 75 de la Constitution de l'État, si tu as deux nationalités, tu as droit à quoi? Alors, tu es maramaramara tato? Oui, tu as droit. Ma travail pas côté, il y a autre membre, il a un bon maramara. Tu es maramara? Tu es maramara? Tu es maramara? Tu es maramara? Tu veux être un papier, tu veux être un petit peu de temps, tu veux être un petit peu de temps. 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 Et ceux qui ont voulu tuer le peuple avec la bombe atomique, ils sont applaudis. On les vénère même, comme des dieux. Les petits à Satan. Et les autres qui ne mangent pas aujourd'hui, qui n'arrivent pas à finir le fin du monde sans salaire. Ce sont des victimes. Nous ne sommes pas dans la République. Nous sommes un royaume. Wataouhia, Tautino, et te tau te moe moea. Wahe mai te tau maeri. E tau o te tatau, tatau tupuna, noroto hoi au te aia, hotuhia e tou hiroa. Aia nehe nehe mau, Tahiti nui, noroto hoi au te aia, hotuhia e tou hiroa. No te whahiti mai, e tatau. Tata tou, e tu, a tahuiti no atu, e whanaona, e whanaona.